Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et surtout, enseignez-leur toute la vérité. Ainsi, il y en a qui sont restés en Jérusalem, d'autres en Samarie, certains sont allés en Judée et certains encore sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. L'invité du jour fait partie de ceux-là que le Seigneur a envoyés aux extrémités de la terre. Elle est une femme, une servante de l'Éternel que le Seigneur utilise puissamment. Vous voulez la découvrir? Restez scotchés, on revient tout à l'heure. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, grande est ma joie de vous retrouver encore en ce jour pour ce nouveau numéro de votre émission Un regard sur la Bible. Alors aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une servante de Dieu avec qui nous allons aborder un thème très capital, comment arriver à mieux servir quand on vit à l'étranger. Elle se nomme Pasteur Rose Akai. Pasteur, bonjour. Bonjour, servante de Dieu. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Assez disponible. Ah oui, hein? Et le ministère? Ah, le ministère va bien. Parce que c'est le ministère de Jésus. C'est ça. Alors, il a besoin de nous. Et nous faisons notre part. Alors, vous êtes l'une de ces personnes que Jésus-Christ a envoyées à une extrémité de la terre. Hein? Exactement. Et il a fallu envoyer aux extrémités de la terre pour pouvoir vraiment lui servir. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, notre invité du jour s'appelle Pasteur Akai Rose et elle sert Dieu en Italie. Est-ce que je me suis trompée, Pasteur? Non, c'est bon de Dieu, non. Super bien. Alors, soyez une fois encore la bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes au Togo pour certaines raisons, hein? Oui. Alors, je suis au Togo. Premièrement, je suis venue pour les vacances, mais apparemment, ce n'était pas les vacances. Il y avait déjà des programmes bien établis avant que je n'arrive. Et bon, voilà. Et d'où, si vous pouvez ressentir la voix un peu cassée. Voilà, parce que hier, je venais de terminer ma part. OK. Parce que la semaine des femmes n'est pas encore finie, mais j'ai terminé ma part. Et parce que vous avez été invitée en tant qu'oratrice. Hein? Exactement. Sur deux jours, le 26 et le 27, pour un séminaire de femmes. C'est ça. Et qu'on a bien intitulé les femmes de foi. Et le thème était Vasti, détrônée et Esther, intronisée. Oh, oh, oh. Alors, j'espère que ces femmes-là qui ont participé en ont quand même tiré leur part avant de pouvoir partir. Bien sûr. Hier, le Seigneur nous a fait grâce de nous redonner nos couronnes. Donc, je peux dire, il nous a changé d'abord le nom. Parce que vous êtes sans savoir que Vasti est le vieil homme dans le Nouveau Testament. Et Esther est l'homme nouveau avec Christ. Donc, quand tu as l'homme nouveau, tu es couronné. Mais avant d'être couronné, il faut qu'on te change de nom. Le Seigneur nous a changé de nom. Il a enlevé nos comportements de Vasti, l'insoumission. La désobéissance et tout, il nous a changé de nom. Et aujourd'hui, nous sommes appelés les étoiles, qui veut dire Esther. Alléluia! Alors, nous revenons rapidement à notre thème qui nous rassemble aujourd'hui. Comment arriver à mieux servir quand on vit à l'étranger? Et vous êtes pasteur en Italie. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait maintenant 7 ans. Alors, 7 ans que j'ai accepté officiellement le Seigneur. OK. Et 6 ans que je suis pasteur. Super ça. Alors, avant de devenir pasteur, vous avez, Pasteur Rose, avait une vie ici au Togo. Parce que je précise que vous êtes togolaise. Peut-être l'accent peut tromper les gens, mais elle est togolaise 100%. C'est ça? Togolaise 100%, non. Non? OK. Alors, je suis de père togolais, du nord, Lamba Défalé. Et de mère béninoise, alors née au Ghana, d'une mère aussi mélangée. Donc, mais carrément, mais l'accent ne dit pas béninois quand même. Hein? Non, l'accent ne dit pas béninois, l'accent ne dit pas togolais, l'accent ne dit pas ghanéen. Mais l'accent aujourd'hui, c'est camerounais. C'est camerounais. Parce que je vis dans un milieu des Camerounais. Oh, d'accord. Donc tout de suite, j'ai capté l'accent camerounais. Super ça. Alors, vous étiez au Togo, c'est ça?
Avant de vous rendre en Italie, alors parlez-nous un peu de vous. Qui était, disons, Rose? Parce qu'en ce temps, n'était pas encore pasteur. Exactement. Qui était Rose avant de se rendre au Canada? Avant, je veux dire Italie. Ok. Alors, Rose, nous allons parler vraiment de Rose. Rose, c'était une petite fille née à Tapamé. Ok. Et grandit, et à l'âge de 12 ans, déjà à 7 jours de naissance, on m'a présenté à l'église. Et c'était l'église de AD à Tapamé, à Gbonou. À Gbonou Pota, je précise très bien, parce qu'il y a des gens qui vont me reconnaître. Mm-hmm. Alors, le jour de ma présentation à l'église, le pasteur qui m'a consacré à l'Éternel a dit, cette fille-ci a un appel. A un appel de Dieu. Et c'était déjà capté. Donc, c'était déjà collé à moi. Il y a un ADN là. Vraiment, j'avais déjà reçu l'ADN. Grandi, bon, voilà, je fréquentais toujours l'église en suivant les parents, bien sûr. Bien sûr. Alors, à 12 ans, mon père m'a amené au Burkina pour aller fréquenter et j'étais à l'internat. Et à 14 ans, au cours d'un programme à l'internat, je reçois le Saint-Esprit. Wow. Quand je reçois le Saint-Esprit, comment je fais pour savoir que j'avais reçu le Saint-Esprit? Alors, après la délivrance et tout, parce que quand le Saint-Esprit te saisit, tout ce qui n'est pas de Dieu sort, mm-hmm. et maintenant le Seigneur commence à planter. Yeah. J'ai commencé à parler tout de suite en langue. Et il y avait une jeune fille qui était une copine à moi, à l'internat, qui était très malade. Les parents ont dû être contactés pour venir la prendre. Le programme s'est passé le jeudi. Et le jeudi matin, on a contacté les parents. Ils n'avaient pas le temps pour venir. Ils ont promis venir prendre leur fille le vendredi parce que l'infirmerie ne pouvait plus. Mm-hmm. Alors, j'ai été le soir. Parce que quand j'ai appris qu'elle doit aller à Ouagadougou, parce qu'on était à 25 km de Ouaga, l'internat se nommait Koubri. Bon, je ne fais pas la publicité. Ah oui. Hein. Alors, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, au retour dans les dortoirs, c'est la santé de cette copine qui me dérangeait. Mm-hmm. Parce qu'on dit, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, mm-hmm. tu reçois la guérison, l'Esprit de guérison, de délivrance et tout. Donc j'ai dit au Seigneur, si vraiment j'ai reçu de ton Esprit, guéris ma copine. Donc je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Et comme je n'ai pas été enseignée mm-hmm. au départ, alors je vois un homme assis sur un trône. Là. Là. À l'âge de 14 ans, je ne voyais pas son visage, mais je voyais la couronne qui brillait de mille feux. Je voyais cette chaise dorée. Je ne voyais pas son pied parce que la pente de ses robes couvrait les pieds. Et il avait la main tendue. Il y avait une lumière forte qui sortait de ses mains. Et il y avait une personne qui était accroupie en bas de cette lumière-là. Et comme je n'ai pas été enseignée, je ne sais pas ce que ça signifiait dans le temps. Alors j'ai pris peur, j'ai couru, je suis sortie de la musique, j'ai couru parce que la lumière était si forte que je ne pouvais même pas résister. Et on m'a amenée chez notre suivante qui était vraiment fervente en Christ, qui a dit que tu as reçu le don de guérison et de délivrance. Je dis, ah bon? Et pour confirmer cela, le lendemain, cette chère copine s'est rendue à l'école avec nous. Waouh! Ce que la médecine n'a pas pu faire, mm-hmm. le Seigneur Jésus l'a fait en une fraction de seconde. Super ça. Et à partir de là, le Seigneur a commencé par vous utiliser jusqu'à ce que vous ne partiez du Togo. Oui, le Seigneur a commencé à m'utiliser, mais je vivais encore dans le monde. Mm. J'étais comme un bic entre les mains du Seigneur. Ok. Quand le Seigneur veut m'utiliser, je reste à la maison pendant une semaine avec ma Bible. Je prie, je lis la parole de Dieu, je prie. Et après, il me donne la vision. Et il me dit, il me parle de la personne qui doit venir vers moi. Et il m'utilise. Quand il finit de m'utiliser, je reprends mon quotidien. Wow. Parce que j'avais la crainte de servir le Seigneur. Mm-hmm. Autrefois, on a connu les pasteurs qui marchaient avec des chaussures vraiment de côté, étaient déjà finis, mm-hmm. avec les pantalons sur le ventre, mm-hmm. une seule chemise et tout. Quand je voyais ça, je dis non, mm-hmm. je ne vais pas devenir pasteur mm-hmm. pour galérer comme ça. Oh là là! Parce que j'étais une ancienne journaliste mm-hmm. ouais. qui gagnait bien sa vie. Bienvenue, chers collègues, aux consoeurs. Merci. Merci beaucoup.
Alors, qui gagnait bien sa vie, qui fréquentait les grands types. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, je disais, mais comment quitter ce monde de louga, comme nous aimons l'appeler, et pour aller s'enfermer, pour dire Jésus, Jésus, au nom de... Ah non, 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 non. J'ai refusé. J'ai été invitée un jour où le processus de déclencheur va commencer. Dans l'église d'un prophète, à la fin de l'émission, du culte, hein. Je suis partie le saluer pour partir. Alors, c'était un autre pasteur qui l'a invité. Dès que le pasteur m'a vu, il dit, mais toi, tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Et le prophète disait, mais elle est têtue. Elle résiste. Et là, le pasteur m'a dit, tu vas aller en Europe. Et c'est là où tu vas te convertir. La prophétie était sortie en ce temps-là. Yes. Et depuis quelle année, ça? Alors, je crois que c'était en 2015. En 2015, oui. La prophétie était sortie. La prophétie était sortie et j'ai eu à faire 2 mois. Et après, la prophétie s'est accomplie. Et vous étiez partie, hein? Oui, j'étais en Côte d'Ivoire en ce moment. Mm-hmm. Parce que je travaillais même avec lui au moins en ce moment. Donc, j'étais basée en Côte d'Ivoire avec ma structure de communication. Alors, j'avais un ami qui était fervent aussi, qui m'a dit, Rose, je ne te vois pas à l'église. Tu es très loin de l'église. Et tu ne donnes plus la dîme. Il dit, va donner la dîme. Parce que ta place n'est pas en Afrique. Ta place est au-delà. J'ai dit, ok, mais la dîme, j'ai déjà l'argent sur mon compte. Il dit, oui, totalise ce qui est sur ton compte et enlève le 10%. Et j'ai obéi tout de suite. Je suis partie, j'ai enlevé les 10%. Et je vous assure que cette dîme m'a protégée. Parce que ce jour, j'avais un marché avec lui au moins. Mais fallait soit... le Seigneur me sauvait de l'accident où j'ai le marché. Alors, mon ami a reçu la vision. Il a dit au Seigneur, enlève-lui le marché et sauve sa vie. Wow. Parce que c'est, l'accident, c'est qu'on allait me couper les pieds. Et puis, ce serait fini, là. Oui. Donc, au retour, et l'accident s'est passé. Après avoir donné la dîme, quand je suis sortie de l'église, il y a une femme qui venait tout droit sur moi. Tout le monde criait, mais moi, je ne savais pas. Et c'est plus tard que je me rends compte, je me suis arrêtée. Et la femme aussi a stoppé. Mais juste. Hein. Et j'ai béni le Seigneur. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai dit. Il dit oui. Le matin, le Seigneur m'a réveillée. Et j'ai fait le dilemme avec le Seigneur. Donc le marché que tu pars au Burkina pour faire, tu n'auras pas ce marché. Mais tu as la vie sauve. Alléluia. J'ai rendu grâce au Seigneur. Et il me dit, mais Niamoué va au Burkina. Parce que tout va déclencher au Burkina. Mm-hmm. Je suis arrivée au Burkina. J'ai des collègues qui m'ont dit, tu vas aller en Europe? C'est bon, je sais pas. Je dis, mais on veut te payer ton voyage et puis tu dis, tu ne sais pas. Je dis, bon, ok. Et c'est d'où, en 2015, si on s'en souvient bien, il y a eu un coup d'État au Burkina. Et ce coup d'État a eu une fermeture des ambassades et tout pendant une semaine. C'est après les une semaine que je suis repartie à l'ambassade pour retirer mon passeport. L'assistant de l'ambassadeur a dit, je ne te donne pas ton passeport. Va demander autre invitation et tu viens. Et c'était là le plan de Dieu? Oui, c'était dans le plan de Dieu. Parce que ça, c'était la prophétie. Mais moi, je ne savais pas comment le Seigneur allait faire. Donc, même il a mis les hommes qui me tenaient tête. Tu dois aller en Europe. Coûte. Alors, je suis sortie, j'ai appelé un de mes supérieurs. Et j'ai dit à mon supérieur, on a refusé de me donner mon passeport. Mais ils veulent encore une autre invitation. Il me dit, tu es où? Je lui ai répondu, je suis devant l'ambassade. Il me dit, ok, attends-moi là-bas, ne bouge pas, j'arrive. 30 minutes plus tard, il vient avec une autre invitation. On fait entrer, le soir on m'appelle, on me dit, ton passeport est sorti avec ton visa. Je suis partie en Europe. Alléluia. Et quand vous étiez arrivée, qu'est-ce qui avait changé? Alors, quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée sur Belgique, de Belgique, alors ça serait un peu long, parce que c'est même... Vous allez le faire court, hein? Ok, c'est même un témoignage. Parce que pour arriver, il y a eu... Parce que vous savez, quand vous êtes déjà dans le plan de Dieu, le diable aussi ne dort pas. Mm-hmm. Le diable a voulu me contre-attaquer. Alors, je devais partir depuis lundi, et je n'ai pas pu. Le festival finissait le samedi. L'apothéose, c'était le samedi. Et c'est le vendredi que moi, je décollais.
J'arrivais le samedi matin. Bah, c'était la fin. Hein? C'était la fin. Et dans mon passeport, le visa était un visa d'une semaine. Donc, j'avais samedi et dimanche. Alors, dans les normes, tout le monde sait qu'avec ça, tu ne rentres plus en Europe. Parce que c'est suspect. Ouais. Alors, quand j'étais en salle d'attente, mon supérieur m'a dit, c'est plus la peine, ne pars plus. Et je lui ai dit, comme j'ai maintenant c'est-à-dire que Dieu a commencé à travailler avec moi personnellement. J'ai dit, comme j'ai déjà le visa, j'irai. Il m'a dit, je suis de nationalité française, mais d'origine française, d'origine burkinabé, mais je te dis qu'on va te refouler. Et moi, je lui ai dit, on ne va pas me refouler. Parce que quand j'ai vu le parcours, je me suis rappelé de la prophétie et j'ai dit, ça c'est Dieu qui travaille, c'est la main de Dieu qui travaille. Et je connais ce Dieu-là, le Dieu qu'on m'a enseigné quand j'étais petite, le Dieu qui m'a saisi quand j'avais 14 ans, qui a travaillé avec moi. Ce Dieu-là ne va pas s'arrêter. Et la prophétie maintenant a pris base en moi et ça a commencé à se manifester. Dans l'avion, je n'ai pas dormi. J'ai passé le temps à dire au Seigneur, il faut que ton nom soit glorifié. Le monde doit entendre parler de toi. Je vais témoigner comment je suis arrivée en Europe. J'arrive, j'étais en rang, j'étais la deuxième. Alors, le policier, après le premier passé, le policier me prend mon passeport. Il me demande la carte d'embarquement et la carte de retour, le billet de retour. Je lui remets, il me dit, vous allez loger où? Tout de suite, la voix me dit que tu es venu pour des affaires. Alors, quelqu'un va me dire, mais pourquoi le Saint-Esprit a voulu que tu montes? Non, ce n'est pas un mensonge, parce que je ne l'ai pas organisé, mais plutôt une parole de sagesse. Donc, le Saint-Esprit a mis les mots dans ma bouche, j'ai parlé, et le policier me dit, madame, bienvenue, on voudrait vous voir plus souvent par ici. Bon séjour à vous. Et quand je suis arrivée, j'ai appelé mon supérieur. Il a dit, je ne sais pas qui est avec toi, mais celui qui est avec toi est vraiment grand. Il est au-dessus de tout, même au-dessus de la loi. Il a confessé mon Jésus. Celui-là, il est vraiment grand. Vous savez, ces gens de... Moi, je dirais, vous allez revenir une autre fois. Oui. On va aborder notre sujet du jour. Et parce qu'il y a tellement de choses à partager. Oui. Et avec le cœur de Christ, dans ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est grandiose ce que le Seigneur a fait, c'est tellement énorme. Et quelqu'un dans ces situations pourra dire non, c'est plus possible et il faut que je reste. Mais là, il y a cette rage spirituelle-là qui est entrée en elle. Elle s'est dit non, il faut que j'y aille. Et le Seigneur l'a fait réaliser. Alors, vous êtes arrivé en Italie finalement, après Belgique. Belgique-France. Belgique-France, et puis ensuite Italie. Italie. Alors, dites-nous, on apprend souvent que quand les gens quittent l'Afrique, parce que d'ailleurs, quand vous étiez en Afrique, l'adoration n'était pas si solide. Non. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé maintenant à devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Maintenant, nous venons à notre thématique. OK. Alors, quand je suis arrivée en France, en Belgique, et j'ai fini avec la Belgique. J'étais en France, j'avais un autre projet en France. Ok. Alors en France... Ce visa de 2 jours pratiquement qui... Voilà, c'était des projets de longue date. D'accord. Alors je dis, bon, je suis déjà là. Et j'avais ce visa de 2 jours parce que j'ai passé seulement une journée en France et en Belgique. Belgique. Donc j'arrive en France et je suis hébergée tout de suite. Et entre-temps, je vois que je ne sais pas ce que le Seigneur fait, mais je me rends compte que ce n'est pas un visa d'une semaine, mais ça devient un visa de 2 semaines. Oh. Mais en partant, vous n'avez pas réalisé? C'était un visa d'une semaine. Ok. C'était écrit, je l'ai vu. Mon supérieur l'a vu. Sinon, il n'allait pas s'inquiéter. Et finalement, c'est devenu 2 semaines. C'est devenu 2 semaines. Ah bon, Seigneur a changé les dates. C'est ce que je voulais dire. Il est extraordinaire, ce Dieu. Et c'est-à-dire qu'il est au-delà de ce que nous pouvons penser. Exactement. Il a changé, c'est devenu 2 semaines. Alors, en 1 semaine, j'ai passé le temps que je devais passer, mais ce que j'attendais n'était pas. Alors, j'ai dit, je repars en Afrique. J'étais venue pour le festival. Je repars en Afrique, bien entendu. Et bien avant ça, j'ai appelé aussi un ami pour lui dire que je serai en Europe. Donc, il me dit, mais si tu peux, si le temps te permet, passe nous faire un coucou
en Italie. Ça fait longtemps. Alors, quand j'arrive et les choses ne tournent pas comme je veux en France, je lui fais part, il me dit, alors je te paye le billet, tu viens en Italie. J'ai déjà fait les 2 semaines. Je lui dis, mais écoute, il me reste quelques jours là. On ne va pas me permettre de rentrer en Italie. Arrivé à l'aéroport, ils m'ont pris le billet, j'arrive à l'aéroport. Je regarde, je demande au monsieur, je dis, mais j'ai le visa de combien de temps, s'il vous plaît? Il me dit, mais madame, vous avez un visa d'un mois. Oh. My God, le Seigneur a encore changé. Parce que son plan, il sait où il était en train de m'amener. Le lieu qu'il avait préparé pour moi n'était pas Belgique, n'était pas la France, mais c'était l'Italie. Il fallait que je rentre en Italie. Et c'est là que je rentre en Italie. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour alors, que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui? Je suis rentrée en Italie, comme habituellement, beaucoup de gens me connaissaient comme journaliste, ex-journaliste. Alors tout de suite, j'ai mis en place une structure de communication. Et j'ai commencé, toujours dans le monde, dans les boîtes de nuit, recevoir les artistes, les interviews et tout. Et à un moment donné, je fornique. Parce que je n'étais pas ancrée dans le Seigneur. Et quand je fornique, je tombe enceinte. Une fois et calée. Alors quand je tombe enceinte, je tombe malade. Parce que quand je suis tombée enceinte, je vivais dans une maison. Et l'ami, parce que en Italie, là-bas, tu peux louer une chambre. Alors, j'avais loué une chambre. Yeah. Et l'ami qui me louait une chambre, je ne savais pas que c'était un adorateur de crâne. Okay. C'était un Camerounais, mais eux, ils sont des adorateurs de crâne. Et c'est quoi crâne? Les crânes, c'est que, au fait, quand leur grand-père meurt, ils s'en vont déterrer le crâne. Après quelques années, ils viennent le placer. Et c'est de l'occultisme. Exactement. Et moi, je ne savais pas dans quoi il était. La nuit, je me suis mise à prier et j'ai prié pour lui. Et cette nuit a été fatale pour moi. Et comme j'étais déjà dans la fornication, dans le péché, la voie était déjà ouverte pour être attaquée. Okay. La nuit, il y a une petite fille qui est venue avec un mortier où il y avait un trou. Elle me dit, c'est toi que je suis venue piler. Pourquoi tu vas implorer la grâce sur ce monsieur? Tu sais qui il est pour nous? Je vais finir avec toi. Et j'ai lutté. Et c'est cette nuit, j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, la fille, je l'ai vue propulsée par un grand vent. Et je me suis réveillée. D'où a commencé. Et en partant, elle me dit, je reviendrai. J'étais en début de grossesse. J'ai tapé 2 mois sans boire, sans manger. Je vomissais que du sang. Et d'où est suivie ma mort? Vous étiez morte? Oui. Avec le fœtus dans le ventre. Pendant combien de temps? Alors, je crois, parce que la mort spirituelle a été une vision pour moi. D'accord. Je me suis vue en train de... C'est-à-dire, j'étais couchée, on enlevait les asticots à moi. Les asticots? Oui. Oh. Il y a un pasteur, il est mort maintenant. Je l'ai appelé avec sa fille qui est aussi pasteur. Donc, ils sont venus me secourir. Ils m'ont amené chez lui, chez eux à la maison. Ils ont prié et tout. Et après, ils m'ont amené à l'hôpital. Quand ils m'ont amené à l'hôpital, moi, je ne suis plus en moi-même. C'est ce qu'on m'a raconté. Quand on est arrivé à l'urgence, on disait, mais tout le monde courait parce que c'était un cadavre qu'on a amené. Oh. Alors, avant, je vais sauter la partie. Mm-hmm. Il m'a conduit à l'église parce que lui-même, il a prié, on l'a attaqué. Mm-hmm. Il m'a conduit à l'église. Et c'est arrivé à l'église qu'on a prié pour moi. Quand on a fini de prier, on m'a fait la Sainte Cène. La Sainte Cène, je l'ai revomi. Et j'ai commencé à vomir le sang noir. Et c'est là où le Seigneur me dit, si tu veux me servir, je te redonne la vie. Si tu ne veux pas me servir, tu vas en enfer. Quand j'ai entendu l'enfer, j'ai dit non. Seigneur, je veux te servir. Après, on m'a conduit à la maison. Et les choses se sont aggravées. On m'a amené à l'hôpital. J'étais déjà morte. Et on m'a fait les soins. C'est-à-dire, on me disait qu'on me faisait 2 perfusions à la fois. Et en 5 minutes, la perfusion finissait. Parce qu'il fallait me réhydrater et tout. Donc, quand je suis revenue à moi, j'ai informé au docteur, je suis enceinte. Il a pris peur.
parce que les soins qu'ils m'ont administrés... C'était pas pour une femme enceinte. Hein. Exactement. Alors, ils ont dit, tout de suite, allons pour l'échographie. On va en faire l'échographie, on ne voit pas le fœtus. On cherche le fœtus, on ne voit pas. On fait le scanner, on peut avoir le fœtus dans le bas-ventre. Ce qui veut dire que le fœtus, déjà, est dans ma chair. Pourquoi? Parce que le fœtus n'avait plus rien à manger. Il se nourrissait de mon sang. Et après les examens, ils déclarent que je suis effectivement enceinte. Mais dans le bas-ventre, on fait comment? Ils m'ont ramené dans ma salle. J'ai dit au Seigneur, je viens de te dire oui. Alors, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Moi, je me dispose à partir de maintenant. Et c'est de là que, après autre échographie, le fœtus a repris sa place. Et quand le fœtus a repris sa place, quand je suis sortie de l'hôpital, je courais pour mon baptême. Maintenant, parce que le processus était déjà enclenché. C'était déjà enclenché et j'ai supplié le pasteur de me baptiser et je me suis baptisée avec mon fœtus. Le jour de mon baptême, c'était le feu. Il s'est passé des choses incroyables. Les gens ont témoigné. Et c'est le jour-là qu'on m'a consacré, mise à part. Et plus tard, quelques mois plus tard, il y a un prophète qui a été envoyé de l'Afrique en France. Mais arrivé en France, le Seigneur a arrêté pour ceux dont il est venu en France. L'a envoyé en Italie, spécialement pour moi. Il vient, dès qu'il me croise, il me dit, quel feu le Seigneur t'a préparé, il va t'utiliser. Et là, ces prophéties données, quelles sont les stratégies que vous-même vous avez mises en place pour pouvoir tenir bon? Parce qu'une chose est de recevoir les prophéties, une chose est qu'on te dise, bah, tu vas devenir ci et ça, mais il va falloir quand même aussi que tu joues ta part de responsabilité. Exactement. Et comment c'était votre cas? Alors, ma part de responsabilité dans la deuxième phase de prophétie, quand le prophète m'a dit que j'ai un feu, déjà, il m'a trouvé déjà fervente. Parce que quand je vous ai dit, le baptême était extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment, tout a changé, en fait. Tout a changé. Au revoir l'ancienne vie. Au revoir l'ancienne vie. J'avais même des programmes que je devais faire avec l'ambassade des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. J'ai tout annulé. C'était beaucoup d'argent. Le Seigneur me dit, tu m'annules tout. Tous tes programmes, tu m'annules tout. Tu fermes la structure de communication. Et j'ai obéi. J'étais maintenant tous les jours à l'église. C'était la parole. Je voulais connaître ce Dieu-là. J'avais la soif de le connaître. Parce que pour moi, j'ai épuisé toutes mes cartes. Là, la vie qui m'a donné ça en bonus, c'est une grâce. Et la Bible dit, la grâce est trompeuse. Je ne veux pas que cette grâce me trompe. Je veux tenir bon. Et il m'a ramené pour une mission bien précise. Alors, je me suis rappelé quand j'étais petite, la prophétie qu'on a fait sur ma vie, ce qu'on m'a dit en Côte d'Ivoire. Et alors, c'était le feu. Je ne pouvais pas. Toute ma vie, c'était... Même quand j'étais dans le train, j'avais des écouteurs. Je mettais la Bible audio. Quand je m'asseyais, ma vie était devenue la parole de Dieu. C'est fini les distractions. C'est fini. Je mangeais que la parole. Je buvais la parole. Je me levais dans la nuit. C'est la parole. Ce n'est pas premièrement la prière, mais c'est la parole. Parce que pour prier, la prière, c'est les déclarations. La prière, c'est une communication avec Dieu. Mais comment tu communiques avec Dieu si tu n'as pas sa parole? Il faut avoir le langage de Dieu. Le langage de Dieu est dans la Bible. Quand tu parles, il te répond, il te dit. Et quand il te dirige, si tu ne connais pas la Bible, si tu ne connais pas la parole, parce que la Bible comme ça n'a pas de fait. Mais c'est la parole. Parce que la Bible nous dit, lui-même est la parole. Donc, quand tu as la parole, tu l'as en toi. Et quand tu l'as en toi, c'est donc dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, je n'avais plus le choix. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a pris la possession. Parce que, en fait, une seconde chance vous a été donnée. Yes. Et le Saint-Esprit dirigeait toutes choses. Et le Seigneur m'a dit, tu dois rester à l'église. Donc, tous les jours, je venais à l'église. J'étais à l'église, coaché à l'église. Vous n'allez plus au boulot parce que là-bas, c'est Miss Bonnie, vous savez, de l'autre côté, c'est un peu ça. Oui, mais j'étais déjà enceinte. Ok. J'étais enceinte et on ne pouvait plus me prendre pour le boulot. Mais le Seigneur me dit, je prendrai soin de toi. Oh. Alors, quand j'avais besoin de l'argent, le matin, je me lève, je dis, l'or et l'argent t'appartiennent, papa. J'ai besoin d'argent. Il opère le miracle. Et j'ai besoin de telle somme.
J'arrive à l'église, on vient me donner une enveloppe, ton papa a dit de venir te donner. Dans le bus, on m'arrête, on me dit ton papa dit de te donner. Mais quel papa? Le papa. C'est lui mon papa. C'est lui là. Le monsieur là en haut, il est mon papa. Pour les autres, c'est un Dieu. Pour moi, c'est un père. Et là, vous passez les journées à l'église. À l'église. Mm-hmm. D'où le prophète arrive, il voit le feu en moi. Et moi, j'étais déjà enceinte de 40 jours. Étant enceinte? Oui. Non, je venais déjà d'accoucher. Ok. Et j'étais enceinte de 40 jours. J'allaitais. Avant ça, je fais jeûne de 7 jours. Et après, il me met en jeûne de 40 jours. Mais j'allaitais normalement. Quand je fais le jeûne de 7 jours, j'avais plus de lait dans mon sein. Ça, c'est extraordinaire. Je vous dis, quand c'est la parole de Dieu, quand il te dit, tiens, Pierre a dit sur ta parole, il a lancé le filet. Et nous savons ce qui s'est passé ensuite. Il n'a pas pu, il a appelé d'autres personnes, venez, et même le filet s'est déchiré. Alors, sur sa parole, je suis rentrée en jeûne. Parce que je ne suis pas rentrée en jeûne pour rentrer en jeûne. Et pendant le jeûne, je disais, papa, je veux te voir, je veux te toucher, je veux passer le temps avec toi. Je ne désire que toi, parce que ma soif, c'était lui, c'était seulement lui. Et il m'a montré une vision. Il dit, bientôt je vais te consacrer, pasteur. Il m'a donné mon titre et tout. Avec les parents spirituels, je les ai informés. Ils m'ont dit, ok. Ils sont ici au Togo ou... Non, ils sont en Italie. En Italie. Je les ai informés, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Eux, ils avaient déjà ça. C'est dit, Dieu les avait déjà confirmés. Alors, quand le prophète arrive, il vient juste faire ce que Dieu l'a envoyé faire. Tout de suite, bon, moi je sors. Étant consacré, mis à part, j'avais l'enfant en plein jeûne dans la poussette. Et j'ai fait des sandouches pour aller donner aux gens qui étaient sans abri. Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont sans abri là-bas. Ouais. Et j'ai envie de dire, bon, ce n'est pas dans notre thème, mm-hmm. mais beaucoup d'Africains souffrent. Ils s'en vont à l'aventure, mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, si le Seigneur ne te dirige pas, c'est terrible. Donc j'ai pensé à eux. J'ai fait les sandouches avec les jus. J'ai mis dans la poussette. Il pleuvait, j'ai couvert mon enfant. On est parti, on a distribué. Et là, la mission avait commencé. La mission avait déjà commencé. J'ai même été attaquée par l'esprit des eaux, Mamiwata. Mm-hmm. Et c'était un combat. Okay. C'est pendant que je faisais le combat que le Seigneur a envoyé un message à ma mère spirituelle pour dire, vous laissez la petite là seule, sans couverture. Il est temps. De la revêtir. C'était mon appel. Donc, quand je suis revenue, elle me dit, il se peut que le dimanche, tu sois consacrée. Il se peut. Parce que le Seigneur ne veut pas de fête. Aujourd'hui, nous consacrons les gens. Nous faisons la fête et tout. Nous oublions le plus important. Ce n'est pas la fête. Quand on est parti consacrer David, il était derrière les moutons. Il est venu avec son vêtement, avec toutes les odeurs des moutons. Et on l'a consacré. Ceux qui étaient là, qui étaient préparés, ils n'ont pas eu cette grâce. Je suis partie à l'église. La maman m'a soufflé juste, il se peut. Mais ce n'est pas certain. Je suis partie à l'église. Et c'est quand ils ont commencé, ils m'ont appelé. Et ils ont commencé. Et ça, c'est spécial, hein, parce que ce processus n'est pas le processus de tout le monde, en tout cas. Non, c'est extraordinaire. Ce n'est pas le processus de tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde. Voilà. Je suis une personne choisie de Dieu. Je suis une personne que le ciel a envoyée pour une mission. Et donc, la consécration a été faite, en tout cas. Oui, je suis en mission. Quand je finirai, je vais repartir. Et je ne blague pas avec ça. Donc, quand on m'a consacré, parce que le Seigneur me dit, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui consacraient. Et c'est un prophète qui va te consacrer. Okay. Et il a envoyé ce prophète pour ça. Et on m'a consacré dans le ministère pastoral. Mais il y a la prophétie, le chantre, évangéliste, tout est dedans. Il y en a plusieurs. Mais mon ministère, c'est un ministère pastoral. C'est ce que vous avez reçu. Oui. Et de là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et je ne me suis plus jamais arrêtée. Alléluia. Amen. Alors, chers téléspectateurs, vraiment, c'est un moment magnifique que nous sommes en train de passer sur ce plateau, mon invité et moi. C'est l'histoire de toute une vie,
de comment le Seigneur peut prendre du néant pour faire de grandes choses. Là où tu as pensé que c'est tes capacités, là où tu as pensé peut-être que c'est parce que moi je sais le faire comment, ou bien je vais aller dans mes directions. C'est là où tu penses comme ça. Et que pendant ce temps, tu portes l'appel de Dieu sur ta vie, le Seigneur vient t'arracher avec mes forces. Et je réalise que c'est ce que le Seigneur a fait dans la vie du pasteur Rose. Alors peut-être que tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu vis à l'étranger ou tu vis ici au Togo. Et tu sais que tu portes cet appel sur ta vie. Pour elle, elle a eu une seconde chance. Ton cas, je ne sais pas. Peut-être toi, tu n'en auras jamais. Quand tu iras, la porte se fermera et tu pourras mourir. S'il te plaît, ressaisis-toi. Moi, je puce tellement dans ce qu'elle est en train de dire parce que je me dis, ce parcours, il est unique. Il est unique. Peut-être tu es dans l'église aussi, tu vis exactement comme ce qu'elle avait vécu dans le passé. Mais s'il te plaît, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime, qui veut faire de toi de grandes choses, qui veut faire de toi la personne selon son cœur. Comme il a dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Alors permets d'être utilisé par le Seigneur, parce que la seconde chance n'est pas donnée à tout le monde. Il y en a pour qui la porte est éternellement fermée. Donc aujourd'hui, notre émission a été intitulée « Comment arriver à mieux servir quand on vit à l'étranger ?» Mais je me suis rendu compte que le Seigneur a voulu nous amener dans une autre dimension que ce que nous avions préparé. Alors, je crois bien que tu puiseras ta part et tu vas t'armer pour que les gens qui sont autour de toi sachent que tu es un chrétien sauvé par le sang et la mort de Jésus-Christ. Alors, c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission d'aujourd'hui. Notre invitée s'appelle Pasteur Rose Akai. Elle est une Togolaise, 50% Togolaise. Et puis, voilà, 50% Béninoise. Donc, du coup, c'est avec elle, que nous sommes en train de tourner cette très belle émission. C'est beaucoup de choses qu'elle a dites. Je prie que le ciel t'illumine davantage afin que ta vie puisse changer. Moi, je dirais que c'est un témoignage de vie. Yes. C'est un témoignage très puissant de vie. Alors, prends ta part pour être un modèle pour tes contemporains au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dites-nous, quand vous étiez en Italie, est-ce que vous aviez un soutien spirituel venant du Togo ou le Seigneur avait tout prévu là-bas? Alors, le Seigneur, disons, c'est lui qui me soutient. C'est lui qui me soutient parce que dire que j'ai un soutien spirituel, c'est ces dernières années que je peux dire. Parce que le Seigneur m'a contacté, m'a mise en contact avec beaucoup de pasteurs. Okay. Et tout. Parce que quand je suis revenue, j'ai eu à prêcher depuis 2019. J'ai eu à prêcher dans plusieurs églises et tout. Et ces pasteurs, chaque fois, intercèdent pour moi. Et nous sommes en bonne collaboration. Donc, je peux dire que eux, ils sont ces soutiens que j'ai ici en Afrique. Mais là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est le vrai soutien. Le vrai soutien. Mais quand même, vous avez des parents spirituels là-bas. Le Seigneur a quand même vous aide. Alors, aujourd'hui, parce qu'il y a des parents spirituels qui te font naître dans la foi. Mais il y a ceux qui t'amènent à la dimension que le Seigneur veut. Et aujourd'hui, les parents que le Seigneur m'a donnés pour m'amener dans la dimension qu'il veut, il est au Burkina, c'est Papa Karambiri avec Maman Hortense. C'est eux, mes parents, que le Seigneur a voulu établir sur ma vie. Alors, par ce biais, Pasteur Karambiri et Maman Hortense, merci à vous d'être cette force-là, aussi, ce papa, cette maman spirituelle pour notre Pasteur Rose. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie qu'il vous donne encore beaucoup d'années à vivre parce que vous nous bénissez beaucoup. Amen. Et que le Seigneur soit votre soutien au quotidien. Amen. Alors, il y a des parents aujourd'hui qui rêvent d'envoyer leurs enfants à l'étranger, qui rêvent forcément qu'ils puissent aller là-bas. Alors, est-ce que vous avez quelque chose de précis à dire à ces parents-là? Alors,
j'ai bien envie de dire à ses parents de ne pas. Oui, parce que si vous ne savez pas, si vous n'avez pas, alors je regarde bien la caméra et je dis, chers parents, avant de faire quoi que ce soit, vous devez consulter l'Éternel. Parce que c'est lui qui tient nos vies entre les mains. Vous êtes les parents, certes, mais c'est lui qui a établi les enfants que vous avez mis au monde. Alors, ne prenez pas des décisions parce que vous avez les moyens, parce que vous voulez, vous désirez. Non. Consultez Dieu. Et si Dieu vous donne son approbation, vous pouvez le faire. Si Dieu ne vous donne pas son approbation, gardez vos enfants près de vous. Parce que j'en connais beaucoup qui partent d'ici, de parents chrétiens, fervents, même des parents serviteurs. Mais arrivés là-bas, je peux vous assurer que vos enfants ont perdu la foi. Ils vivent parce que la réalité de l'Europe, c'est autre chose. Nous sommes face à des réalités, à un quotidien que tu dois te lever très tôt. Tu dois aller. Et même le dimanche, on travaille là-bas. Parce que quand vous les amenez, ils doivent payer leur logement. Ils doivent se nourrir. Vous ne pouvez pas continuer à les envoyer l'argent. Ils sont obligés de vivre. Ils sont obligés de faire. Donc, à un moment donné, ils rentrent. Ils dévient. Et beaucoup ont dévié. J'en ai connu beaucoup, surtout à l'église. Ils viennent, quand tu demandes qui est ton père, qui est ta mère, mais quand tu regardes sa vie, tu es découragé. Alors s'il vous plaît, consultez le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Alors, à ces jeunes filles, jeunes gens, qui aussi ont envie de voyager, parce que c'est le désir de plusieurs ici aujourd'hui, hein. Alors qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message de mise en garde peut-être? Chères jeunes filles, chers jeunes garçons, l'Europe n'est pas l'Eldorado. Moi que vous voyez, j'aime plus mon Afrique. J'aime mon pays plus que tout. Et le Seigneur savait combien de fois j'aimais mon pays. J'aimais l'Afrique. Même aujourd'hui, je suis même prête qu'il me dise « entre en Afrique ». Je suis prête à revenir. Parce que en Europe, il y a la souffrance. On ne vous dit pas, on ne vous montre pas. Même les Européens souffrent. Et là-bas, il y a des réalités. J'ai dit dans mon récit, j'envoyais la nourriture à des personnes sans abri. Ils sont venus en Europe. C'est des jeunes filles, c'est des jeunes garçons. Mais ils n'ont où dormir. Ils dorment dans les stations de train. C'est ça que vous voulez? Des gens ont vendu les terrains, les gens ont fait ceci, ils sont partis. Mais aujourd'hui, ils regrettent. J'en connais qui sont revenus à la case de départ. Alors, chers frères, chères sœurs, consultez le Seigneur. C'est très important. Si tu es chrétien, consulte, parce qu'il a ta vie entre ses mains. Demeure béni. Amen. Demeurez béni. Exactement, demeurez béni. Je crois que ceux qui ont envie de voyager, je vous rappelle, un jour j'ai reçu un de nos pasteurs à Assemblée de Dieu, il est missionnaire aux États-Unis, et il était venu sur ce plateau ici, il a pratiquement dit les mêmes choses. Donc, je crois que la volonté de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu en toutes choses est capitale et primordiale, parce que si le Seigneur donne son accord, oui, allez-y, vous n'aurez pas à souffrir de quoi que ce soit. Yes. C'est vrai, les défis seront là parce que la vie est faite de défis. Les défis seront là, mais vous en sortirez toujours vainqueur. Mais si l'Éternel n'a pas été consulté, s'il n'a pas été d'accord, et c'est parce que, bon, nous sommes fatigués, que forcément on veut partir à tout prix, je crois que la fin n'est pas vraiment jolie. Donc, consultons toujours l'Éternel en tout ce que nous faisons afin que son approbation soit notre portion et que nous puissions refléter sa gloire. Quand il aura à nous placer à quelque part, à une extrémité de la terre. Sœur Rose, nous sommes pratiquement à la fin de cette belle émission que nous avons tournée aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Oui, j'ai un dernier message et je vais donner la parole que le Seigneur m'a donnée quand il m'a consacrée. C'est dans Deutéronome 31, verset 8. Il m'a dit, je lis d'abord la parole, et je vous dis ce qu'il m'a dit personnellement. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te frais point. Il m'a dit, il marche lui-même avec moi. Il est avec moi.
il ne m'abandonnera pas. Donc, si tu es avec le Seigneur, si tu viens même de recevoir le Seigneur, sache que tu as fait un bon choix. C'est vraiment, c'est un choix le plus beau de ta vie. C'est un cadeau. Il ne va pas t'abandonner. Il dit, même quand tes parents vont t'abandonner, lui, il ne t'abandonnera pas. Donc, bien-aimé, j'ai envie de te dire, si tu es en Christ, accroche-toi. Parce que même Jésus nous a dit, on aura les tribulations, mais de ne pas nous inquiéter, il a vaincu le monde. Alors, ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'auras pas des épreuves. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'auras pas des tribulations. Tu auras les tribulations, mais ne t'en fais pas. Dans ces tribulations, pour toi, c'est un témoignage. Il ne va pas t'abandonner. Dans les tribulations, il est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Dans la mer, il est avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Rose. Merci d'être passé. Je crois que le Seigneur qui a placé de l'argent dans la bouche du poisson, dans la mer, il est prêt à le faire pour toi aussi. Parce que son visa, en fait, était d'une semaine. Ça s'est prolongé à 2 semaines et après à 1 mois. Et ça, c'est le doigt de Dieu qui l'a fait. Je dirais pas que c'est un homme qui l'a fait, mais c'est le doigt de Dieu. Alors, sois rassuré que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Quand il t'aura amené sur une terre étrangère, reste concentré. Vous voyez, le Seigneur a permis qu'elle puisse étaler un peu tout ce qui s'est passé dès le départ jusqu'à ce moment où elle est aujourd'hui, afin que toi aussi tu puisses apprendre quelque chose. Alors, je prie que la main du Seigneur qui fait toujours du bien à ses enfants puisse te soutenir. Et que cette même mai garde notre cher pasteur. Amen. Et on espère vous retrouver très prochainement. Parce que le Seigneur veut beaucoup de dépôts en vous. Amen. On veut en puiser. Je suis disposée. Super ça. Et disponible. Bien sûr ça. Alors, chers téléspectateurs, cette émission s'arrête ici. Je dis que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Vous qui avez des enfants à l'extérieur, dès que le lien de cette émission sera envoyé, il faut le leur balancer afin qu'ils puissent écouter ces réalités. Ils ne sont pas allés seulement pour chercher de l'argent, non. Ils sont allés pour une mission précise. Il faut qu'ils le comprennent. Alors, je prie que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ se repose dans vos vies et que vos enfants soient la couronne que vous allez porter parce qu'ils sont devenus des sacrificateurs, des porteurs des vases de l'Éternel. Que le Seigneur te garde. Je prie que le Seigneur nous donne la vie afin qu'on puisse se retrouver dans un autre numéro pour aborder une autre thématique. À la prochaine.